Bonjour et bienvenue dans les recettes de grammaire de Marine. Aujourd'hui, nous allons voir trois façons de poser une question en français. Vous pouvez poser une question avec l'intonation, avec est-ce que ou avec le sujet-verbe inversé. C'est parti pour notre délicieuse recette. Dans cette vidéo, nous allons parler des questions fermées. Une question fermée a pour réponse oui ou non. Les questions avec le sujet-verbe inversé. On l'utilise surtout dans un contexte formel. Au lieu de dire « tu veux », nous allons inverser le sujet et le verbe. « Veux-tu un café ? » « Pouvez-vous venir vendredi ? » « Est-ce raisonnable ?» Les questions avec « est-ce que ?» Ce type de question est très utilisé. On l'utilise dans un contexte formel et informel. Son utilisation est très facile. Placez « est-ce que ?» au début de la question et ensuite mettez votre phrase. Est-ce que tu veux un café ? Est-ce que vous pouvez venir vendredi ? Est-ce que c'est raisonnable ? En général, les Français ne disent pas « est-ce que ?». Nous allons plus vite et nous disons « est-ce que ?» « Est-ce que tu viens cet après-midi ?» Et n'oubliez pas, si le sujet commence par une voyelle, vous devrez enlever le « e » de « que » et mettre une apostrophe. Est-ce qu'il vient cet après-midi ? Enfin, on utilise les questions avec l'intonation dans un contexte informel. C'est très simple, vous devez juste monter la voix à la fin de la question. Tu veux un café ? Vous pouvez venir vendredi ? C'est raisonnable ? Voilà, c'est prêt à parler. Vous voyez, le français, c'est délicieux. Regardez ces trois mots. Livre.